confins de l'Union européenne, frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Cette forêt a 14 000 ans. C'est la plus ancienne du continent. Un site classé patrimoine de l'humanité, devenu le théâtre d'une traque sans merci contre les migrants en quête d'une nouvelle vie. Okay. We are sneaky go through the borders. We are so close to those people who are stuck in the borders. We are sneaky joining them. And there are like 300 people up there. Depuis l'été 2021, des milliers de personnes venues principalement du Kurdistan irakien et de Syrie ont pensé trouver ici un accès sûr vers l'Europe. Un espoir vite déçu devant la détermination du gouvernement polonais à ne laisser personne entrer. Alors, certains prennent des risques et multiplient les tentatives de passage. Et lorsqu'ils parviennent à entrer en Pologne, les ennuis continuent. There's a man. He's asking for money. If we don't give him, they will call police. What a shame. Cette situation a révélé une véritable fracture au sein de la société polonaise. Désavouant la politique de leurs autorités, des citoyens, des ONG et des habitants ont décidé de s'engager contre l'inacceptable, le rejet et même la mort de migrants à la frontière de leur pays. Le long de ses 418 km de frontière avec la Biélorussie, la Pologne a institué une zone interdite, la seule du genre existant en Europe. Large de 3 km, elle est strictement fermée aux ONG et aux journalistes. La zone est gardée par 20 000 soldats, policiers, gardes frontières et milices territoriales. Jakub Sipianski est coordinateur au sein de la coalition Grupa Granica, le groupe de la frontière. Une organisation très combative composée de 14 ONG, principalement polonaises. Leur mission, secourir et assister les migrants. Jakub connaît très bien la zone interdite. Il nous y fait entrer le plus simplement du monde. C'est en même temps un refuge et un danger énorme. Parce que les conditions de la forêt, comme vous voyez là maintenant, sont atroces. Et même en automne, c'était pas un terrain pour passer quelques jours, surtout avec des enfants, pour dormir. Et tout ça en devant se cacher constamment de la police pour les risques d'être expulsés de nouveau en Biélorussie. Ce type de situation était sans précédent en Pologne. Les personnes qui habitaient ici ont été confrontées avec un choix entre la mobilisation et l'indifférence. J'ai parlé avec les gens qui nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ces musulmans soient si normaux, soient ordinaires, si ordinaires. Rien qu'entre septembre et novembre 2021, Grupa Granica est venu en aide à plus de 2000 migrants perdus en forêt. C'est une crise humanitaire à laquelle on assiste ici. On est spécialisé dans l'aide légale et tout ça, mais de travailler dans la forêt, on est des amateurs et on a beaucoup appris, mais c'est un grand problème que c'était nous qui devait faire cette tâche. Comprenez, se substituer à un État qui a décidé de ne pas respecter le droit international accordant protection aux demandeurs d'asile. La Pologne a voté une loi autorisant le refoulement des migrants, quel que soit leur statut.
Et cela, les activistes, comme on les appelle ici, ne l'acceptent pas. People still in Białoruś, they need the help, they will try, they can't come back to their country, so for sure it's not the end of the story. Agata travaille pour la fondation Otsalenie qui s'est engagée dès le début de la crise. La fondation s'appuie sur un réseau d'entraide actif dans tout le pays. Agata vient de l'Ouest, à l'autre bout de la Pologne. And you came to take some goods with you? Yeah. They had a lot of stuff, and if we need still something, we could find here. But, yeah. Nous remontons la frontière à proximité d'un axe routier menant vers la Biélorussie. Exceptionnellement, les activistes nous ouvrent les portes de leur base. Un lieu secret d'où ils planifient les opérations de secours en forêt. Agata et ses collègues entreposent ici le nécessaire pour partir en intervention. Au-dessus, un simple appartement occupé en permanence par des équipes qui se relayent tous les 4 jours. Mais pourquoi tant de mystères ? It's not about the thing that we are afraid or something like this, but for us, like there's a lot of nationalists here and people that might not be very friendly for the things that we do. We prefer not to tell very openly about where we are staying. Articles de premier secours, nourriture, tout est prêt. Encore faut-il entrer en contact avec les migrants qui tentent de passer la frontière. Les numéros de téléphone des activistes circulent dans toute la région, jusque dans les camps de réfugiés en Biélorussie. Mais il n'est pas toujours facile de communiquer. I have a problem to understand actually what is going on because they are writing in Arabic and we are trying to translate it and it's hard and many situations it's very very pity we can't reach them. Now when the weather is very bad it's also important to bring them equipment, yeah, because to survive for them the night it's very difficult. La nuit tombée, nous sommes informés d'une autre intervention de secours concernant un migrant d'origine syrienne. Grupa Granica, le groupe de la frontière, nous donne rendez-vous dans un petit village proche de la zone interdite. La nuit est glaciale. Nous roulons une heure dans le blizzard, passons les checkpoints de la police et arrivons au lieu indiqué à l'oreille de la forêt. Dans 5,5 km, la destination se trouve sur votre droite. Pour éviter d'éveiller les soupçons, nous attendons à l'entrée du village. 1h20 plus tard, des phares nous signalent une présence. C'est une équipe de journalistes hollandais. Comme nous, ils viennent de recevoir la localisation précise des activistes. Nous partons à leur recherche, une demi-heure de marche dans la forêt. Et enfin, une petite lumière rouge, le signal que nous attendons. Sorti comme au milieu de nulle part, nous rencontrons Moussa, un tailleur syrien. Il demande l'asile politique. Bolan, code. Messa el khir. Première difficulté, Moussa ne parle que l'arabe. Un traducteur nous aide à comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il se risque à traverser la forêt. Moussa. Ma lahna kunna wadi jama'na al-Banaroussi fawtuna.
البولندي كان يطعمينا أيوة. شوفي عنده اكل زياده يعطينا اياه يعني يعطوك الاكل وبعدين يرجعوك ايوه بيعطونا اكل يرجعوني من جوا بنرد من فوت وهيك مثله في الكويس وفي العاطل اوقات بنضرب اوقات في روس كويسين وفي روس عاطلين So Mosul is a minority because he was pushed back just 4 or 5 times, which is not a big number because during our experience in forest, we met people who were experienced pushbacks more than 20 times, for example. So it was just meeting with total chaos and crazy minds, people who are totally scary and they were afraid of other people because everything was connected with violence and pushbacks. Of Belarus side. Il fait moins 5. L'intervention a débuté il y a plus de 7 heures. Carolina et Michal assistent Moussa. Demander l'asile dans un pays qui ne veut pas entrer en matière n'est pas facile. Il faut pour cela contacter la Cour européenne des droits de l'homme afin d'obtenir un document appelé intérim. Interim jest bardzo ważnym dokumentem. Daje tymczasową ochronę osobie ubiegającej się o azyl. Niestety zdarza się, że osoby, które są zatrzymywane przez Straż Graniczną, są pushbackowane do Białorusi. Interim pozwala tą procedurę wstrzymać do czasu rozpatrzenia wniosku azylowego. Michal représentera Moussa tout au long de la procédure. Il contacte les gardes frontières pour le signaler. And what do you think is going to happen with him now in Poland? الله اعلم ان شاء الله حياه افضل ان شاء الله حياه افضل. Is he afraid to be taken by the police which is going to come very soon? انت متردد خايف انه البوليس هلا يجوك ياخذوك ولا خايف انه يرجعوك؟ خايف يرجعوني وان شاء الله ما يرجعونا بالمساعدة ال Situation insolite d'un tailleur syrien réconforté par un peu de musique en attendant son arrestation. Tout est prêt pour recevoir les gardes frontières. Ce type d'intervention est minutieusement préparé. Les activistes étaient en contact avec Moussa dès qu'il a posé le pied en Pologne. Ce dernier a dû attendre 2 jours, caché dans la forêt, le temps d'obtenir le précieux document de la Cour européenne. Moussa sera enfermé dans un camp de détention en attendant d'être fixé sur son sort. Mais cette forêt inextricable peut être un piège mortel quand on est sans aide et sans repère. Roger était parti du Cameroun pour étudier en Russie. Après 4 ans à Moscou, ne pouvant plus financer son master, il tente la traversée en octobre dernier avec un camarade et ses 2 frères. Une odyssée tragique. Nous n'avions pas à quoi manger, ni de l'eau à boire et les téléphones par lesquels nous pouvions s'orienter étaient éteints. Donc c'est ce qui a fait que nous avons fait 2 semaines dans la forêt. Voilà. Sans possibilité de se repérer, le groupe se perd et tourne en rond dans l'immense forêt. La faim, la soif sont une épreuve, mais le pire est à venir. L'un de mes frères, le plus jeune, il avait juste 19 ans, lui, c'est quand on dormait la nuit, il a été mordu par un serpent, donc il saignait. Et à un certain moment donné, il ne pouvait pas avancer rapidement que nous avions souhaité. Donc on était obligé d'aller doucement avec lui, puisqu'il était blessé, il avait pour fin d'être pris à chaque fois. Donc c'est moi qui le portais dans mes bras, il ne voyait plus rien. Alors, il a avancé avec sa blessure pendant 3 jours.
le quatrième jour, un jour de vendredi nuit, qu'il est décédé. Voilà, donc vers 17h, 18h, comme ça. Et quand on était, il me demandait de lui poser quelque part, on va se reposer. Alors, je lui ai posé à côté, on était là, et tout à coup, on l'a vu, donc il a changé de position, et je savais que c'était fini pour lui. Ouais. J'ai passé le reste de la journée et presque la moitié de la nuit en train de creuser pour pouvoir l'enterrer. J'avais coupé les bois morts avec quoi j'ai creusé sa tombe. Il n'était pas bien enterré, mais j'ai eu quand même faire le mieux pour qu'il soit un peu cassé. Après, on a commencé à avancer. Mon second frère, lui, il a commencé à souffrir vraiment. Et puis, il avait besoin de boire, et il disait qu'il avait soif, il veut boire. Et à un certain moment donné, quand on traversait l'eau qui stagnait dans la forêt, quoi, les flaques d'eau, il prenait, il buvait ça. Donc, avec l'eau sale, il n'avait rien mangé, il a commencé à vomir quelques jours plus tard. Et puis, vu qu'il n'avait pas mangé, il a commencé à vomir du sang. Bon, il a senti qu'il allait mourir, mais moi, je ne croyais pas. Parce que pendant la journée, quand on se reposait, il me disait, mais écoute, il faut que tu continues le sommeil. Tu continues à te battre. Parce que c'était ça l'objectif, c'est que tu puisses continuer tes études. Alors il m'a dit il faut continuer, mais je pense pas que moi je pourrais s'en sortir. Alors c'est comme ça, la nuit quand on dormait, le matin je le réveille, il était déjà mort. À bout de force, Roger et son camarade trouvent enfin un chemin qui les mène à un village. Ils frappent à une porte. 5 minutes plus tard, la police vient les chercher pour les refouler en Biélorussie. Roger refuse et se débat. Blessé, il est admis à l'hôpital et plus tard transféré dans un centre. Il a reçu depuis un avis d'expulsion. Roger a préféré l'anonymat. Au moment de notre rencontre, il n'avait pas encore trouvé la force de parler du drame à sa famille. De combien d'histoires similaires la forêt garde-t-elle le secret? Certains habitants proches de la frontière refusent que des migrants meurent à leur porte. Ils les hébergent même clandestinement, pour leur permettre de retrouver des forces sur la route de l'exil. Camille Siller en fait partie. Avocat, il a dès le début de la crise lancé le mouvement Lumière verte, un geste simple pour afficher sa solidarité avec les personnes en quête d'Eldorado européen. Mais cette attitude ouverte aux étrangers est mal vue par les forces de sécurité. We are under observation of border guards, of policemen. Sometimes they they are visible in the near our house in the darkness, and we know they observe via thermovision cameras. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Policja się kłania. Dobry wieczór. Państwo są, dokumenciki prosiłbym. C'est un désastre. Tout mon univers juridique s'est effondré, simplement. Ils enfreignent ouvertement la loi, la constitution polonaise, ils violent les conventions internationales, le droit européen, les droits de l'homme, etc., etc. Camille Siller parcourt souvent les bois avec sa petite caméra thermique capable de révéler la présence humaine à 1 kilomètre de distance. Avec son groupe de locaux,
ils couvrent une portion de 100 km de frontière. Mais leurs moyens sont bien légers face à ceux des forces de sécurité. This is a kind of game. This is the live game. Because if you are the first, we can help and save people in the forest. It is quite difficult to be the first because the services have a very big chance because of their equipment and because of the fact that the trails in the snow are very visible and the refugees can be easily chased. Chaque nuit, les milices territoriales font voler leurs drones au-dessus de la forêt. Facilement détectés, la position des migrants est immédiatement transmise aux équipes au sol. Alors, secourir des personnes entrées illégalement peut être risqué dans ce coin de Pologne. Maria, la femme de Camille, en sait quelque chose. Once I were in the forest with my colleagues and we were actually attacked by masked people. They were not with the uniforms, so we didn't know who they were. And a guy just pointed a gun towards my head and shouted that I am a smuggler, that I'm smuggling people. I was afraid afterwards, and then I got sick. I think it was some kind of body response for the situation. So I had a break from going to the forest, but then I went again. À en croire les activistes, l'expérience vécue par Maria n'est pas un cas isolé. La crise migratoire attise les passions et favorise la violence. Camille est en contact permanent avec des personnes attendant le moment propice en Biélorussie. We try to convince them not to be in Poland because in Poland it's very very sad. They are not welcome. Ceux qui ont été arrêtés et ont évité l'expulsion immédiate sont parfois hébergés dans des centres ouverts gérés par des organismes privés comme la Fondation Dialogue. Ces cinq frères et sœurs viennent du Kurdistan irakien. Ils sont arrivés ici en novembre dernier avec Baravan, leur père. Mais il manque quelqu'un, pilier de la famille, la mère des enfants, Avin. Tout s'est compliqué pendant la traversée. Avin prenait la pilule et ne se doutait pas être enceinte depuis 6 mois. Elle a commencé à se sentir mal dans la forêt. Il a été pris en charge par les gardes frontières polonais au moment de leur arrestation. Désormais seul avec ses enfants, Baravan en appelle à plus d'humanité pour toutes les personnes migrantes. Rekenna khosh hatab gehat hadaf akib khwa paydab ket. Bilahari karbin
تا خودت اعلی برکت دارشت. Toutes les histoires ne sont pas aussi dramatiques. Depuis le début de la crise, près de 10 000 personnes auraient réussi à rejoindre l'Allemagne et à y demander l'asile. Officiellement, une vingtaine d'entre elles ont perdu la vie durant la traversée. Mais les activistes en contact avec les communautés craignent que ce nombre soit beaucoup plus élevé. Certains ont une sépulture dans ce cimetière musulman appartenant à la communauté tatare. Un peu à l'écart, on découvre 4 tombes de migrants morts en forêt. Le corps d'Avin, la femme de Baravan, a été rapatrié en Irak. Le petit qu'elle portait n'aura pas eu le temps de voir ce monde, juste de recevoir un nom, Ali Kari.